Ce que je voulais vous dire aujourd'hui du Etzraïm, malheureusement j'ai pas le livre devant moi, mais dans la page 173, il est écrit là-bas une chose très très intéressante. Le Hari HaKadosh, pas par hasard, explique la formation physique du membre de la femme d'après la Kedusha. Très très intéressant. Il dit que à Kadosh Baruch Hu, la lumière divine, quand elle vient vers l'être humain, la lumière dessine l'être humain. C'est comme un laser qui coupe un bois et qui fait une table. C'est pas par hasard tout ce qui se passe. Et il dit là-bas que Zeir Anpin, que c'est nous, on a trois façons d'éclairer la femme. La première façon s'appelle lumière, c'est la pensée. La deuxième façon s'appelle nitzotzot, c'est le début de l'acte. Et la dernière façon s'appelle kelim, c'est la fin de l'acte. On est à la fin de l'action et on crée notre femme, s'appelle keli, c'est un récipient. Et il est écrit que le récipient, il est créé par l'homme. Oh, Rabbi David, où es-tu? C'est dangereux de m'écrire trop, hein? Et le récipient, qui est le keli de la femme, est créé par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'après les pensées que j'ai, qui sont les orot, qui sont les lumières, je formate le liquide précieux que j'ai dans ma tête, que ce liquide précieux masculin descend par la colonne vertébrale, passe, il y en a qui disent par les reins, fait premier bichoul, comment on dit bichoul cuisse, réchauffement, il se réchauffe la première fois, il sort des reins, il va dans les testicules, il se réchauffe la deuxième fois, et après, il y a un mouvement des reins, comme un vent des reins qui pousse, et ça sort vers la femme. Qu'est-ce qui contient ce liquide? Ce liquide contient trois forces. Une force s'appelle Oroth, une force s'appelle Nitzotzot et une force s'appelle Kelim. Oroth, c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai eu l'envie. J'ai formé une façon de m'approcher de ma femme. On a une envie, ou la femme a envie de l'homme, et sans vouloir, on programme un peu la façon du désir. Ça s'appelle les Oroth, les lumières qui vont après comment dire, se manifester quand on va faire la mitzvah. Après, il y a un nitzotzot. Les nitzotzot, c'est, d'après la Kabbalah, quand je tape avec un marteau sur du fer, il y a des étincelles qui sortent. Ces étincelles-là, c'est de la lumière qui était bloquée dans le matériel, et ces lumières-là se dégagent. Et c'est ce qu'on appelle en français les préliminaires, et c'est ce que en hébreu il faut faire avant qu'on finisse la mitzvah. Attendez, je vais ouvrir le livre et on va être à la page 174, et on va être heureux parce qu'on aime étudier. Voilà. Au prochain. Alors il dit ici. כולם בחינת גבורות ודינים גמורים, ואלוהים, ועליהם רמזו בזוהר במקומות הרבה, כנזכר פרשת פקודי תחסיר, יש לו מגזר בו צינה דקרמוזה. מה זה? אטנדו, טטטו, זה פסטה, הנה. Alors il dit qu'il y a trois façons d'éclairer le Zeir Anpin, que c'est l'homme. Oui, Zeir Anpin, c'est 45, c'est un homme, Adam. Comment on éclaire l'homme, l'être? Il dit, Oroth Nitzotzim Vekelim. Si on va ouvrir la Mishnah, Masechet Yevamot, la Mishnah, Masechet Yevamot, dit, quand est-ce que j'ai vraiment transgressé la loi de l'intimité avec quelqu'un qui est interdit? Par exemple, une Goya, par exemple, une Shifra. Quand est-ce que j'ai vraiment transgressé? La Torah nous dit, Shichvat Zera. La Torah nous dit, seulement quand l'homme
à donner son liquide masculin dans le corps de la femme, qui est interdite, ça veut dire qu'il a transgressé. Jusqu'à là-bas, on fait des barrières pour ne pas arriver à ça, mais il faut savoir que quand on est au Bétadine, et au Bétadine, on a devant nous Even Haezer, le Even Haezer, il a... C'est une partie du Shulchan Aruch qui a ses lois à lui. On n'en parle pas dans le public pour ne pas faire penser les gens à des choses qu'il ne faut pas qu'ils pensent. C'est une chose comme ça. Mais ça s'appelle Shirvat Zera. Ça veut dire que j'ai arrosé la femme qui est devant moi. Dit la Mishnah dans Yevamot, là, sache qu'il y a Nishuk, le membre juste qui touche la porte de la femme en bas, et il y a un méharé, que la tête du membre juste rentre dans le corps. Est-ce que c'est une transgression ou pas? Et après, il dit, Agmarbia, ça y est, il est rentré tout entier dans lui, dans elle. Est-ce que déjà, quand est-ce que déjà ça s'appelle que c'est interdit? Alors, on voit que les sages ont exprimé que quand on rentre ou on s'approche d'une femme en bas, on ne s'approche pas d'une fois. C'est impossible de passer une fois et c'est fini. Il y a des étapes. Alors là, la Khan nous dit, les étapes sont 1, 2, 3. La Kabbalah nous explique. Qu'est-ce que sont ces étapes? Pourquoi Akadosh Baruch a créé des étapes? Quelle est la raison lumière qui a des étapes? La raison lumière est très simple. On ne peut pas arriver à un désir ou un bonheur si on ne fait pas un réchauffement avant, si on ne fait pas déclencher, on va étudier ensemble, vous allez voir le système endocrinal. J'ai trouvé maintenant, très beau, derrière le système endocrinal, je dis à Laurent, c'est mon professeur, il y a les ganglions. C'est les centrales nerveuses. Combien il y en a? 7 générales. Ils sont exactement derrière. J'ai dit, il y en a 7. J'ai rectifié, moi, les 5. J'en ai dit, il y en a 7. Parce qu'il y a 7 points endocrinales, il y a 7 chakras, et il y a 7 ganglions qui sont des centres nerveux. On voit que dans la femme, pas comme dans l'homme, il y a beaucoup de couches de quoi? De connaissances, d'existence, de plaisir plus profond, de plaisir encore plus profond. Et où on veut arriver à la fin? À la fin, on veut arriver à un stade que l'homme approche la femme d'une telle façon qu'elle s'ouvre complètement. Que le coffre-fort s'ouvre avec tous les diamants qu'il y a dedans. Pas seulement tu tires un tiroir, tu enlèves 2 diamants, l'autre tiroir, tu prends 3 diamants. Non, c'est à toi, c'est ta femme. Ouvre toutes les lumières. Pour ouvrir toutes les lumières, il faut avoir la patience de faire sortir les étincelles. Alors il explique ici le Ari HaKadosh Be'etzraïm. Et il dit, et ces 3 lumières que je vous ai dit, Orot, Nitotim, Vekelim, ce sont Elo Putnichnasim, Toch, Meid et Ima. Ce sont 3 étapes qui permettent les Kanes rentrer dans le ventre, comme ça ils appellent ça, mais dans l'espace en bas de la mère, de la femme qui va devenir une maman, Bezrat Hashem. Alors il dit, l'itkacher ou l'itraber ou l'itaken sham beprinat ibur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour que ça s'accroche et ça devient un embryon, il faut qu'il y ait kesher, lien, rom kesher, lien, l'itraber, s'accorder, et l'itaken. C'est quoi l'itaken? L'itaken, d'après le langage ancien, c'est tiken et abayt. Moi, c'est tiken et abayt. On nettoie la maison. Ça veut dire que on doit avoir le lien qu'on veut l'id kasher, on veut être ensemble. On veut l'id kasher, c'est de loin, c'est pas de proche. On veut l'id traber c'est quoi? C'est proche. Et on veut que cet approchement soit propre. Pourquoi on doit dire que l'approchement est propre ou pas propre? La Mishnah nous dit be masechet nida qu'une femme doit se tester 3 fois. Elle doit prendre
Une fois, elle se teste si dedans, elle n'a pas de sang avant qu'elle soit avec son mari, pour que tout soit propre. Après d'être avec son mari, elle doit se tester qu'il n'y a pas eu un déclenchement de saignement. Vous savez, physiquement, il y a beaucoup de raisons que des fois ça frotte, des fois. Deuxième raison. Et troisième raison, et troisième chose, qu'est-ce qu'elle doit faire? Lui, il doit voir qu'il n'a pas du sang sur lui. Zé mitaken beshalosh. Ça, il te dit, sache que après que tu étais avec elle, elle est restée propre sans aucune tache rouge. Pourquoi on doit dire ça? Si la femme est propre maintenant, et elle a fait son mikvé comme il faut, elle n'a pas aucune raison qu'elle ait des taches de toutes couleurs. Quel est le problème? Le problème est chimoud. C'est quoi chimoud? Il y a eu une chaleur qui s'est dégagée de la femme, qui est très très forte. Et cette chaleur, des fois, déclenche du sang. C'est pour ça qu'il est écrit là-bas qu'elle lui dit, Nitmet lecha. Je sens que j'ai eu du sang qui est sorti dans mon corps, en bas. Arrête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre que le membre meure, comme ça on dit dans la Torah, Aev Hermet, et il doit sortir. Sans aucune, comment dire, sans aucun plaisir. Pourquoi? Comment au milieu de l'acte, elle a ressenti qu'elle a eu du sang qui sort? Elle est propre, elle est au mikvé. Comment c'est arrivé ça? Ils disent, parce que Aorot va Nitzotzim va Kelim, les lumières, les étincelles et le kli n'ont pas été créés d'une façon, et on va dire, comment je vais vous dire ça? Si on s'approche de la femme tout doucement, dégradée, on peut dire dégradée? Non. Par étape. Par étape, si on s'approche par étape, et on va étudier ensemble les étapes, vous allez voir, c'est magnifique parce que c'est des choses physiques complètement. Si on s'approche par étape comme il faut, et on emmène les lumières, c'est la pensée que je veux, j'ai la pensée que je veux m'attacher avec toi. Et après, on emmène, quand je suis accroché avec toi, Chibour, on s'est lié, on a un lien ensemble. Et après, notre liquide qui sort du cerveau est blanc, parce que le liquide de l'homme doit être blanc. Alors tout va bien. Avant qu'elle est ensemble, tout est propre. Pendant qu'ils sont ensemble, et après qu'ils sont ensemble, tout reste metoukan. Ça s'appelle la maison, elle s'appelle la maison. La maison est tout le temps propre. Tout le monde est content. Quel est le problème de ne pas être content? Quand on a un doute, que chas v'chalila, en étant ensemble, il peut se passer un déclenchement de sang, et ça, les femmes, ça les stresse beaucoup, et elles ne veulent pas. Elles veulent vite et allez, sort. Pourquoi? Elles ont peur d'avoir du sang qui sort. Aujourd'hui, je me suis occupé d'une dame. Que Dieu aide le peuple d'Israël. Mais des histoires, des fois, n'importe quoi, mais vraiment. Mais la pauvre, elle arrive presque pas d'être avec son mari. Tout le temps, elle a du sang. Tout le temps. Ils font la mitzvah, le lendemain, allez, hop, ça découle. Et tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai testé, vous savez, par la main dans le sujouk, ici, il y a l'endroit en bas de chez la femme. Et par là, on peut ressentir, ici, chez l'homme, c'est ici, chez la femme, c'est ici. On peut ressentir ici un peu ce qui se passe dans les énergies. Je lui ai dit, Rabbanit, tout va bien, mais pourquoi un problème que tu as eu très jeune affecte ce que tu fais aujourd'hui? Et la dame, juste pour cette histoire, pour maintenant, pour comprendre, elle fait ce qu'elle fait avec son mari, tout va bien, mais tout va pas bien. Elle déclenche le lendemain du sang. Je lui ai dit, le sang ne vient pas du utérus. Le sang, il vient du vagine, de la vagine. Mais comment tu sais? Je lui ai dit, toi-même, tu produis des excuses pour l'éloigner. J'ai dit ça, paf, elle pleure. Mais comment tu sais? J'ai dit, ton mari, qui t'aime beaucoup aujourd'hui, il ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Il ne comprend pas la psychologie qu'il y a dans ta tête. Il ne comprend pas. Il m'a dit, oui, j'ai fait de la thérapie, je ne sais pas quoi. J'ai dit, non, tu as fait de l'accusement. Nous, ce qu'on fait, c'est se libérer des problèmes.
S'accuser, pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu t'es pas sauvé, pourquoi, c'est casse-tête chinois, c'est pas normal ça. J'ai dit ce qu'on fait nous, on laisse les choses, ça y est, passe la page et lis un nouveau chapitre dans ta vie. Puis juste pour vous expliquer pourquoi c'est commun que les femmes, chas v'shalom, à la fin de l'acte, elles deviennent nida. Le pauvre, il attend 14 jours ou 12, chacun compte comme il veut, et elle fait mikvé, bon, ils sont ensemble, et le lendemain, ça recommence. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il devient fou. Mais dit, il est nerveux. Je lui dis, comment il n'est pas nerveux le pauvre? Il ne comprend pas pourquoi toi tu déclenches ça. C'est pour ça qu'il est écrit ici, Uleitaken. Ça veut dire qu'à la fin de l'acte, elle reste propre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut que la conscience se développe par étapes, comme dit le Rav. Et les étapes emmènent la femme à quoi? À être très, très, très à l'aise avec son mari. C'est ça ce qu'on veut faire. Si elle n'est pas à l'aise avec lui, elle va se contracter. Quand elle va se contracter, le frottement sera des fois douloureux, des fois saignant. Et c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas, comment dire, se frotter et s'abîmer le corps, marrant. On veut que tout va bien et tout soit liquide et tout soit bonheur. Alors il dit, si tu t'es bien mis avec ta femme ne doit pas être, excusez-moi de le dire, mais pas propre. Elle doit à la fin faire l'abdika, elle est propre et elle est contente. Quand elle est propre, elle est très contente. Qu'est-ce que ça emmène ça? Il dit, Sham beprinatibur lachen evayrata gimel prinot mekomot shesh babina. Il dit, et je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé trois endroits dans le membre féminin? Et vous allez voir comment il décrit le membre, que c'est vraiment, c'est de la, comment vous dites en français? La poésie. Non, non, non. Comment vous dites en français quand quelqu'un décortille le corps et il sait tout ce qu'il y a dedans? Une analyse. Mais l'analyse profonde. Comment le Hari dit ces choses-là? Vous allez entendre. Il dit. אשר נכנסו בהם ג' בחינות, זעיר אנפין בסוד העיבור, והוא כי הלא נתבהר שבינה ותבונה נכללו ונעשו פרצוף אחד בלבד. היא דייקות. לבינה כי אל המר סלסט. אה, הוא מדיר כמאן דובל, אלא אין דובל, אנרגי כי ספל תבונה, אבון דבואר למלכות. למלכות זה לפמינין, avec le Zeir Anpin, en bas, les sept attributs d'en bas. Mais les trois attributs célestes, on a la mer. La mer n'est pas toute seule. Il y a la mer et il y a Tvouna. Tvouna, c'est l'intelligence. Et il dit, la Bina, comment vous dites Bina en français? Discernement. Je ne veux rien dire. Discernement. Non, non. Le savoir. Le savoir, disons, à l'intelligence. Date. Ouais. Alors comment faire Bina? Bina, connaissance, compréhension. Compréhension, je sais pas. Le Rachouf, il y a un degré qui s'appelle la mer, Bina, et en dessous d'elle, collé à elle, il y a Tevuna. Donc, il y a un plaisir qui doit être dans la Bina et un plaisir dans la Tevuna. Sinon, il n'y a pas un vrai plaisir. Regardez ce qu'il écrit. Vegim el mekomot el ushibebina elouem. Voilà, maintenant je vais vous décrire trois endroits qu'il y a dans le corps féminin, que ces trois endroits-là, ce sont les endroits du plaisir. Faut le faire quand même. Il dit Aleph, ou amakom asher haya betchila bebchinat yesod de bina eliona biota nifredet mina tvuna. Il dit, regardez, l'os. Vous savez que la femme, elle a le ventre, et là-bas, dans l'endroit, avant d'être entre les jambes, il y a un os qui monte comme ça. Ça s'appelle Erva. Sur cet os-là, que l'homme aussi a, de là-bas pousse le tendon de l'homme, et de là-bas pousse le tendon de la femme. Ça s'appelle clitoris en français. Où il est le clitoris? Il n'est pas en bas, du tout. Il est en haut. La fin du clitoris, quand il se lève, les lèvres s'ouvrent. C'est comme comme un ressort. Quand le clitoris se lève, les lèvres s'ouvrent comme ça. Il dit, le premier point de la femme est le clitoris. Il est là. Tu dois faire plaisir au clitoris pour que les lèvres s'ouvrent.
s'ouvre. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Bête. Ou makom asher haya betchila yesod tevuna. C'est quoi? Comme j'ai le yesod ici du clitoris, va exactement en arrière. Il y a un os ici, ceux qui savent, on fait rentrer la main comme ça, il y a un os. Oui, et après on va en arrière. Il y a comme une petite éponge. C'est très délicat. Là-bas, elles aiment beaucoup. C'est G-point, on appelle ça, le point G. Mais entre le point G et le point du clitoris, qu'est-ce qu'il dit? Sache qu'il y a une fendue entre les deux. Est-ce qu'on peut trouver une image plus vraie que cette image-là? On ne peut pas trouver. Pourquoi il dit qu'on a besoin de ça? Parce que comme elle a trois places, on a dit qu'il y a Yesod de Bina, Yesod de Tvuna et la fendue, il y a les lumières, les étincelles et le Kelim. Quelle est la lumière? On a dit, quand lui, il fait plaisir ici, au clitoris. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'est pas encore rentré dedans, il y a l'imagination qui travaille. C'est quoi l'imagination? Les lumières qu'il a. S'il est, Baruch HaShem, propre dans sa lumière, l'imagination va faire plaisir à sa femme. D'accord? Mais si, Chas V'Shalom, il est venu avec un peu des pensées bizarres, il ne va pas comprendre pourquoi le corps de la femme va dire non, je ne veux pas. Comment elle sait quelles sont les pensées? Les vibrements que l'homme transmet à la femme. Quand il embrasse, quand il enlace, quand il la caresse, quand il fait ce qu'il fait en bas, la femme, elle ne reçoit pas le message brut de l'être. Elle reçoit les vibrations de sa pensée. C'est pour ça qu'ici, il n'y a rien encore. Juste, il touche le clitoris. On dit, comme je vous ai dit à Eva Mott, c'est Raknishuk. Il n'a pas encore rentré dedans. Et après, il y a Nitzotzot. C'est quoi Nitzotzot? Les étincelles. Quand il pénètre la femme et il touche juste, ça s'appelle en hébreu Me'are, touche juste avec la tête, et comme on est circoncisé, donc on a. C'est comme un champignon. Il y a la tête du champignon et après il y a le membre. Si la tête seulement du champignon passe dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il touche le G-point. Ça s'appelle étincelle. Pourquoi étincelle? Parce que ça y est, ça commence. Il y a plein de. Le point G est beaucoup plus puissant que le point du clitoris. Vous savez ça, il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut attendre ici assez de temps. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est rentré, il a transformé en keli. C'est quoi un keli? Un récipient. Pourquoi on appelle ça un récipient? Parce qu'elle lui a dit, viens. Et moi, toujours, j'enseigne à mes élèves, je leur dis, tu attends, tu ne rentres pas jusqu'à quand que elle te rentre. Si elle t'a fait rentrer, c'est le message du corps le plus beau qu'il y a dans le couple. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a forcé, c'est elle qui a demandé. Et ça s'appelle, je suis le récipient pour capter ton énergie et ton amour. J'accepte ton amour. Vous savez quelle joie l'homme a quand il sait que sa femme accepte son amour. Il est très heureux. Qu'est-ce qu'il a besoin dans sa vie? Rien du tout. À part ça, il n'arrête besoin de rien. J'ai dit à mes élèves à Bnei Brak que malheureusement, le monde occidental nous enseigne une chose qu'à mon avis est fausse, mais peut-être j'ai tort, je ne sais pas. Mais on nous montre ou on nous enseigne par la média, par les films, par je ne sais pas quoi, que l'homme doit rentrer et sortir, rentrer et sortir, rentrer et sortir une heure. Il n'arrive pas une heure. Combien de personnes arrivent une heure, rentrer et sortir, rentrer et sortir, rentrer et sortir? On ne comprend pas qu'est-ce que ça fait vraiment. La plupart des couples, les préliminaires, quand ils sont bien, toutes les étapes, toutes les étapes, toutes les étapes, après quand il vient, quelquefois, elle est très contente. Ça c'est, elle est contente. Lui, il est content, ça y est. Il arrose son jardin et tout le monde est très content. Mettre dans l'état d'esprit de l'homme que arroser son jardin maintenant et non pas dans une heure est de la faiblesse et de... Comment vous dites? Impuissant. Plein de trucs comme ça. Alors l'homme, le pauvre,
Il se dit, je ne suis pas capable. Si je ne suis pas capable d'une chose, est-ce que j'aime la faire ou pas? Non. J'aime pas la faire. Maintenant commence le désastre. L'homme ne veut pas s'approcher de sa femme. Parce que le message, entre guillemets, transparent qu'il reçoit, c'est tu es incapable, tu n'arrives pas, tu vas trop vite, ta 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 ta. Mais lui, c'est un être humain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut être ce qu'il n'est pas, il ne peut pas être. La femme, la pauvre, quand elle n'est pas arrosée, elle devient sec. Le Zohar Kadosh dit, il y a Vacha, quand elle est sec, elle commence à être énervée, elle commence à crier. Pourquoi? Parce que le utérus s'appelle en grec hystérie. L'hystérie, c'est l'utérus. Et la famille commence à partir, comme on dit chez nous, pop-corn. Paf, pouf. Mais si on enseigne aux gens comment Akadosh Boura créer l'être humain, sache, les moments de plaisir et les endroits de plaisir sont chez la femme. Et toi, à la fin, quand elle est bien préparée, elle te fait rentrer, elle est très heureuse que tu aies collé à elle. Moi, j'ai eu la chance, Baruch HaShem, de parler avec beaucoup de couples, je vous dis des milliers de couples. Et les femmes disent, j'ai pas besoin qu'il rentre et qu'il sorte. S'il m'a bien les étapes et tout, je veux qu'il soit dans moi. Et c'est pour ça que des fois, elle l'enlace, elle veut être ensemble. D'après le Tao, qui est une sagesse japonaise du couple et aussi d'autres choses, qui n'est pas de l'Avodazara, dans le Tao, ils disent, comme dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit, Beparashat Bereshit, Shrina Beinem. Quand la Shrina, elle est comment? Quand le tendon masculin est dans le corps féminin. Ibur, comme on dit Ibur. C'est quoi le Ibur en hébreu? Ibour, c'est elle est enceinte. C'est pas toujours qu'elle est enceinte d'un enfant. Elle est enceinte, ça veut dire que maintenant, elle va faire sortir d'elle toute l'abondance que l'homme a besoin. Ibour, on écrit Ein, Yud, Bet, Vav, Resh. D'accord? Ein, Bet, c'est 72. 72, c'est Chesed. Chesed? Chesed, c'est miséricorde. C'est quoi? C'est le liquide masculin blanc. Reish Yud Vav, c'est Gvura. C'est Gematria Gvura. C'est quoi la Gvura? La Gvura, c'est la rigueur qui est devant la miséricorde. L'homme, la femme. Ibour, c'est quand on a réussi à accorder les deux ensemble. Quand ils sont vraiment infus les deux ensemble, la femme est enceinte de quoi? De toute l'abondance qui va tomber sur elle et sur son mari. Alors, si on regarde de cette façon le couple, la femme, elle veut que quand il est dedans, elle veut l'enlacer très fort. Parce qu'elle peut, et je vais vous donner un conseil, mais je vous le donne et je regarde personne dans les yeux. Quand il est dedans et quand elle l'enlace très fort, elle se contracte en bas. Elle veut se contracter sur lui. Ça n'intéresse pas de rentrer et sortir. Elle, la femme, ça l'intéresse de se contracter sur lui. Elle veut ressentir l'autre partie de son corps qui est chez son mari. Et ça, dans le Zohar HaKadosh, Parashat Bereshit, dit que c'est le moment le plus fort de la lumière qui peut s'imposer entre l'homme et la femme. Alors on voit des écritures du Ari HaKadosh, on va trouver dans Ezraïm beaucoup de fois qui parlent de l'intimité, parce que l'intimité, c'est le reflet de la volonté divine de créer. S'il n'y a pas masculin, féminin, il n'y a pas de création. Au début, quand on étudie la Kabbalah et on étudie Ezraïm, mais pas Otsotraïm, dans Ezraïm, il dit le début, c'était seulement des forces masculines. Et c'est pour ça que tout s'est cassé. Quand Akadosh Baruch Hu a séparé la force masculine de la force féminine, tout a commencé à se réparer. Vous savez ça? Shbirat Akelim, c'était... Il y avait seulement du masculin là-bas. Après, il y a eu du féminin. Alors, le masculin et le féminin ensemble, ça crée un cli, un récipient qui peut contenir l'abondance et l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui a vers nous, notre couple, notre maison, tout ce qu'on veut. Beaucoup, beaucoup de fois, je dis aux gens, des fois quand on a des problèmes dans la Parnassa, la Torah Kedoshah appelle l'argent d'Amim.
Damim, c'est le sang. Kidamecha ema damim. C'est comme ça on étudie dans Machatzita Shekel. Quand on donne Machatzita Shekel, avant Purim bientôt, on donne Machatzita Shekel, on a donné de son sang. On a fait sortir du sang qu'il faut donner. Et une femme s'appelle du sang aussi, damim. Quand est-ce qu'elle est permise? Quand elle n'a pas de damim. Quand est-ce qu'elle est interdite? Quand il y a les damim. Donc on voit que le sang et le sang sont liés les uns aux autres. Plus, forte raison encore, on étudie, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, que quand la femme est heureuse, elle fait monter, elle dégage d'elle un liquide ou une longueur d'onde qui s'appelle Meinoukbin, le liquide féminin. C'est une longueur d'onde que, en effet, si on étudie bien ce qu'on enseigne, c'est le plaisir, le sentiment d'être au-delà de son corps, après le vaccin, le plaisir, le vaccin, le plaisir, le vaccin. Et en effet, la femme, à la fin, quand on lui a fait plaisir par les étapes, elle doit être déconnectée du corps matériel. Elle est dans le corps spirituel. Ça s'appelle Meinoukbin. Quand elle monte sa longueur d'onde là-bas, elle fait l'accord total entre le père et la mère spirituel du couple. Il y a le père et la mère matériel, il y a le père et la mère matériel. Mais il y a le père et la mère spirituel de la Neshama qui est rentrée dans ce couple au moment de la Choupa. Quand on était chez nos parents tout seul, on n'avait pas de Neshama puisqu'on n'est pas marié. On peut avoir Nefesh, vitalité, et on peut avoir voix, Ruach, esprit. Bon, la Neshama, l'âme, on ne peut pas l'avoir. Seulement quand on a fait un récipient qui est plein, entier, on peut avoir ce qu'on appelle la Neshama. Donc, en ayant cette Neshama magnifique, on peut monter dans les cieux personnels du couple, qui ne sont pas les parents matériels, et d'en haut, l'homme reçoit un liquide qui s'appelle le liquide masculin, Medochrin, qui s'appelle le liquide masculin. Ce liquide masculin, et si on veut étudier les ondes et les longueurs d'ondes, et les ondes qui entourent la tête de l'homme, qui lui donnent de bonnes idées et une vue de réussite. On va se poser une question. La même famille, le même père et mère et des frères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit le troisième, très riche. Le quatrième, moyen. Le cinquième, très pauvre. Pauvre, 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 pauvre. Le riche essaye d'aider le pauvre. Tout ce qu'il met, tombe à l'eau. À la fin, il dit, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi ça tombe à l'eau? Pourquoi deux frères qui sont nés du même père et de la même mère, un réussit beaucoup et un réussit pas du tout? Ça veut dire que pendant le mariage, on s'est détaché spirituellement de nos parents physiques. Et maintenant, on est attaché aux parents de la Neshama. Alors maintenant, si moi je me suis marié avec une femme, que j'ai réussi avec elle de faire monter le liquide féminin, la longueur d'onde de la croissance, de la possibilité, de tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'elle arrive à tirer un héritage, pas de nos parents physiques, mais de nos parents spirituels. Je vais vous raconter une histoire. J'ai quelqu'un qui est venu chez moi, comme d'habitude, des gens qui viennent, et il m'a dit, écoute, ma deuxième femme, il était marié une fois, il s'est divorcé, il s'est remarié, mes parents ne la supportent pas. Bon, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, c'est difficile pour moi, parce que je dois jongler tout le temps. Quel est le problème? Ses parents sont très, 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 et vous pouvez le dire jusqu'à demain, riches. Et la femme lui dit, pourquoi tes parents ne donnent pas d'argent? Qu'est-ce qu'ils veulent attendre 90 ans, 100 ans, et après, de toute manière, il y aura l'héritage? Pourquoi ils ne donnent pas maintenant? Et la mère là-bas est très énervée de ce concept de la tête de cette femme. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te dois quelque chose. Maintenant, pensez, c'est la femme de ton fils. Pourquoi tu ne veux pas donner? J'ai dit au fils, dis-moi, pourquoi tu veux l'abondance
de tes parents physiques et non pas de l'abondance de ta neshama avec ta femme. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, toi et ta femme, vous avez une neshama qui a les parents spirituels, et les parents spirituels, le père et la mère, c'est eux qui donnent l'abondance. Il m'a dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, retourne-toi vers ta femme, et panim be panim, et face à face devant elle, et ça va créer ce que je vous ai dit en haut, la liaison totale entre le père et la mère, et tu vas recevoir des paquets de diamants et d'or. Il m'a dit, bon, je vais penser à ça, je vais revenir chez toi. C'est un homme très, très intellectuel qui était très haut gradé à l'armée. Très, très... Il est revenu il y a quelques jours. Il m'a dit, tu sais, Rav, j'ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il m'a dit, comme on est bête, on essaye d'enterrer tes parents pour de l'argent qu'on ne sait pas si on va recevoir et on perd notre vie. On est en train de s'écarter. Parce que la femme, tout le temps... Les disputes, ah tes parents, la fin du mois, pourquoi ils donnent pas? Ils savent que tu es serré. C'est des disputes à la maison. Au lieu de concentrer toute l'énergie et être de le couple. Regardez la rigolade, une blague. Ils ont fait ça. Elle a accepté, sa femme elle est gentille, je la connais. Elle a, accepté, elle a dit, d'accord, face à face avec mon mari et on ne parle plus de tes parents. Mais ça va. Par contre on est fâché avec eux. Mais on arrête d'essayer de grimper sur un mur qui est lisse. Après, je crois, une semaine, sa maman lui dit, comment vas-tu? Ça va. Où tu es? Je suis dans le jardin avec les enfants. Peut-être tu peux passer par moi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu as besoin de l'aide? Tu es malade? Non, viens, je veux te voir. Il est venu, elle lui a mis dans un cendrier très beau, un chèque. Combien le chèque? 50 000 shekels. Il dit, maman, qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, non, comme ça, j'ai pensé à vous. Il m'a dit, mais c'est incroyable, pourquoi tu ne le dis pas au monde entier? Je lui dis, moi, je ne peux rien dire, je peux juste enseigner ce qui est écrit. Mais il faut savoir que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a mitzvah kiboud orim, on doit faire kiboud orim. Mais on doit faire kiboud orim d'une façon qu'on soit dans l'abondance et non pas dans la misère. L'Alakha dit, Besof Kiboudorim, Al-Khod Kiboudorim, dans le Kitsu Shulchan Aruch, le dernier Seif dit comme ça. Et quel est le Kiboudorim qui est au-delà de tous les Kiboudorim? Que les personnes disent, Ashrei Imcha, tu te comportes tellement bien, bravo à ta maman, bravo à ton papa. C'est ça le vrai Kiboudorim. Que les gens voient que tu te comportes comme il faut. Ou se dévoile. Se révèle le vrai comportement d'un homme et ou une femme, seulement dans le couple. Dehors, c'est du théâtre, on fait tous du théâtre, chacun choisit son petit paragraphe. Mais dans la maison, combien de temps tu peux faire du théâtre? Un an, deux, trois, après c'est fini, il n'y a plus de théâtre. Quand les gens voient que dans la maison, dans le couple, il y a un comportement, comment on dit, bien comme il faut, alors les gens disent, oh, Ashrei Olato, le Père et la Mère Céleste, Kol HaKavod, vous avez bien éduqué vos enfants pour avoir bien d'abondance. Yiratzon Bezrat Hashem, que chacun de nous et de tout le monde entier, hommes et femmes, se marie pour avoir une âme. Tout ce délire qui se passe dans le monde maintenant, pas se marier, rester tout seul... Je ne sais pas c'est quoi ça, mais ce n'est pas une bonne onde qui passe sur le monde parce que ça détruit l'Europe, ça détruit le Japon, ça va détruire bientôt l'Amérique. Ce n'est pas bien ça. Il faut se marier. Pourquoi? Parce que la vraie abondance, le vrai plaisir, la vraie joie est seulement quand on est masculin et féminin ensemble. Et ça s'appelle Adam, un homme. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.